C'est acté. À travers cette poignée de main, la start-up Itumba va s'installer au Gabon. Thierry Prosper Mboutsou, le directeur de la Caisse de stabilisation et de péréquation en abrégé Kestab, pose ainsi les bases de la mise en œuvre de ce projet de digitalisation de la structure dont il a la charge pour le suivi de la filière Café Cacao au Gabon. L'objectif général de ce projet donc est d'encadrer l'ensemble des promoteurs. Il s'agira donc de mettre une base de données sur les planteurs et les plantations et sur le système de commercialisation des produits. Cette base de données devra donc aboutir à un système d'information géographique qui permettra de suivre de façon dynamique les activités agricoles et commerciales. Itumba a de l'expérience dans le domaine numérique agricole. La start-up va soutenir la filière café-cacao gabonaise à travers un appui financier et technique. L'application qui va être mise en place ici a déjà fait ses preuves un peu partout en Afrique et même en Occident. Itumba va apporter de la ressource humaine, donc ils viendront ici pour travailler, co-construire avec les experts de la Kestab, donc des solutions qui soient les mieux adaptées possibles à notre contexte. Nous allons aussi apporter donc des investissements en termes de matériel de production, donc ceci c'est ceux du financement, donc sur fonds propres d'Itumba, associé bien entendu à la contribution de la Kestab sur l'organisation, la coordination de tout ça et la mise à disposition de ces experts terrain. Le projet de la mise en place des données agricoles au Gabon est à sa phase pilote. Débuté dans les provinces de l'Estuaire, du Haut-Ogooué, de Langouné et du Haut-Lintem, il s'étendra à l'ensemble du pays dans les 12 prochains mois.